Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bilan make-up, c'est la deuxième partie, je n'ai pas fait de bilan depuis 4 mois. D'où le fait que j'ai coupé exceptionnellement cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vous ai présenté tous mes avis de tous mes achats de ces quatre derniers mois. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces produits qui m'ont énormément tenté. Je ne les ai pas achetés. Des produits qui me font craquer visuellement, mais il ne faut pas que je craque. Et également de ma wishlist. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui entre dans ma wishlist Parce qu'il y a pas mal de choses qui entrent. Il faut se le dire, en 4 mois, il y avait du temps. Donc forcément, j'ai fait rentrer des choses. Et en plus, première commande sur monolithe, beaucoup de tentations. Voilà, voilà, voilà le thème de cette vidéo. On commence par les produits qui m'ont tenté, que je n'ai pas acheté. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. En même temps, je me dis, j'ai quand même fait beaucoup d'achats en 4 mois. Donc forcément, il ne me reste pas beaucoup de produits pour lesquels je n'ai pas craqué. Mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir tant envie de choses en fait par rapport à ce qui sortait. Tout simplement, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on va démarrer tout de suite par une box de l'été alors celle-ci je ne l'ai pas achetée mais j'ai pas fait exprès hein. c'est qu'il en avait plus le temps que je me décide comme quoi il fallait pas réfléchir c'est la box du coup de la marque Unorthic Cosmétiques c'est une marque qui est disponible sur monolithe ils ont fait deux boxes pour l'été une petite et une grande et moi celle qui m'intéressait c'était la petite. Je l'avais trouvé trop canon. Il y avait une petite palette, il y avait un duo de blush et d'highlighter et il y avait deux rouges à lèvres. La palette était trop trop mignonne dans des couleurs printanières, toutes guirettes, mais vraiment trop trop belle. J'ai réfléchi une soirée. C'est pas beaucoup une soirée et le lendemain, elle n'y était plus, elle n'est jamais revenue. Je suis dégoûtée. Là, ils ont une box pour l'automne, Halloween. Mais j'aime moins. Elle est jolie, mais je trouve les couleurs voilà, trop foncées par rapport à ma carnation. Mais je suis littéralement dégoûtée d'avoir loupé celle de l'été. Vous me direz si vous, vous avez craqué, si vous l'avez achetée. Mais elle était franchement trop, trop mignonne. La grande me disait beaucoup moins. Ensuite, une marque pour laquelle j'ai hésité, hésité, hésité. J'ai réfléchi encore et encore, tourné dans ma tête. C'est la marque Clarity Cosmetics et c'est la palette Croc. La palette croque, je la trouve, mais trop, trop, trop belle. Elle existe en deux versions. Une grande version, en fait, elle était à peu près à 60 euros. Ils ont sorti une petite version, une mini Croc. Et là, je me suis dit, ah ben bah, ça va être intéressant au niveau prix, donc tu vas craquer. Quand elle est sortie, alors la déception totale, la mini croque était à 55 euros. J'étais là, ah, bah super. Super, une économie de 5 euros, franchement. Bon, je vois pas trop la différence. Bref, je n'ai toujours pas acheté en fait cette palette et je pense que cette fois-ci, c'est sûr, je ne craquerai pas. Et pourquoi Vous me direz si vous vous possédez les deux parce que j'ai craqué pour la Yuka Palette. Et la Yuka Palette, vous savez si vous me suivez depuis longtemps que j'adore cette palette. Elle est juste sublime et je trouve que la Croque Palette a une harmonie en fait très ressemblante entre les marronnées, orangé des verts et j'ai peur que finalement elle soit très redondante et que ça vaille pas le coup en fait d'acheter la croque palette donc si vous possédez les deux je sais que certaines possèdent les deux dites moi si ça vaut quand même le coup est ce que les fards sont différents ils sont peut-être différents au niveau texture au niveau travail je vous le dis parce que bah, c'est ma première commande monolithe là je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo et franchement les phares sont différents de ceux qu'on trouve chez Anastasia chez Natacha, des nonas, etc. Donc je me pose la question, mais moi j'ai trop trop peur que... Euh voilà, l'harmonie soit trop redondante et finalement ça sert à rien d'avoir l'une et l'autre. Donc dites-moi si c'est le cas. Prochaine palette que je n'avais pas achetée, mais on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo c'est la palette Lavender de Gloss God. Moi j'ai acheté la Color of the Rage. je vous l'ai fait voir dans ma précédente vidéo. Mais au départ, je ne sais pas, cette palette Lavender elle me disait rien. Ce violacé. Il euh, y, y a du jaune, il y a un petit peu du bleu. En fait, ce ciel, un petit peu qui se couvre. Au départ, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, je ne l'ai pas acheté. Mais, mais, suspense! Enfin, pas vraiment de suspense. On en reparle à la fin de la vidéo. Elle avait tout de même cet avantage pourtant d'avoir des fards Mais moi, j'avais choisi la You Power, en fait, pour avoir justement ces fards et travailler ma palette Color of the Rain. Donc, celle-ci, au départ, elle m'a pas tenté. Vous me direz, vous, si vous avez craqué tout de suite pour cette harmonie ou s'il vous a fallu du temps. Mais moi, c'est ça. C'est plus je l'ai vue, cette palette Lavender. Plus je me suis posé, en fait, des questions et on en reparle encore une fois à la fin de la vidéo. Ensuite, deux palettes, mais là je sais que je ne craquerai pas. Même trois palettes de chez Natasha Denona, mais ça c'est sûr et certain, je ne craquerai pas. La première qui m'a fait très très envie, c'est la mini Starlet. Je l'ai trouvée parfaite pour la vie de tous les jours, très new, très passe-partout. Et finalement, après quand je l'ai vue sur les réseaux, utilisés en make-up, je me suis dit bah non, finalement ça correspond pas du tout à ce que tu aimes bien. On est plutôt dans des couleurs froides, assez standard. Donc finalement j'ai une petite palette de chez Max More, je ne me rappelle plus son nom, je vous le mettrai là, qui va très bien correspondre quand j'ai envie de faire ce genre de maquillage, dans les tons froids, un petit peu rosé, grisé. Donc celle-ci, c'est sûr, je passe mon chemin Là, je n'ai plus aucun doute. Ensuite, la mini triochrome. Alors, la mini triochrome, je me suis posé la question. Je la trouve très jolie. Elle sort de l'ordinaire parce qu'elle a une harmonie bleutée, violacée. Mais il fallait faire un choix, et ce choix, je l'ai fait. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo avec la nouvelle collection made Day de chez Martine Cosmetic. On tourne autour du bleu. J'aime énormément cette harmonie. Bleuté, grisé, et c'est celle-ci que j'ai choisi. Et je n'ai aucun regret parce que j'adore cette palette. Donc là, c'est pareil, je sais que je ne craquerai pas. Je n'ai pas de doute. La troisième, je ne craquerai pas. Hein, il ne faut pas que je craque. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. Mais celle-ci, j'ai plus de doutes. C'est plus compliqué parce que je trouve l'harmonie mais juste sublime et qui change un petit peu de ce qu'on peut voir dans ce genre d'harmonie. C'est la palette xénon, La palette Xenon. Xenon C'est pas du tout au départ mon genre d'harmonie. On est dans quelque chose de très sombre, du noir, du gris. Mais ce que je trouve qui fait toute la différence et je trouve elle a été très intelligente là-dessus. C'est qu'elle a mélangé en fait ces tons noirs, ses tons gris avec du rosé qui vient adoucir la palette. Et puis ce petit taupe marronné également qui vient apporter de la douceur et d'autres looks également. Donc celle-ci, quand je la vois, j'ai vraiment mis un coup de cœur par rapport à l'harmonie. Je me dis qu'il faut être raisonnable et que non, je la porterai vraiment très très peu en fait si je l'achète. Mais j'avoue que c'est dur et je ne vous promets pas qu'un jour, elle arrive dans un hall ou dans ma wishlist. Je ne sais pas, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez craquer Est-ce que vous résistez comme moi Moi, pour l'instant, je suis en mode résiste à cette palette. L'harmonie est sublime, mais ce n'est pas le genre d'harmonie que tu pourras porter tout le temps. Mais je me dis, mais en soirée ou lors des fêtes elle doit être, mais trop, trop canon. Donc celle-ci, quand je vous dis, je me répète, mais dur, dur. J'essaie de ne pas craquer, <laughs> mais je ne sais pas, elle m'appelle de fou. Ensuite, deux palettes pour lesquelles je n'ai pas craqué, et là je sais que je ne craquerai pas. Ça fait pas mal de palettes de chez Hoden Eyes pour lesquelles je craque pas, et pourtant c'est une marque que j'adore. J'adore leur phare, la multitude en fait de textures qu'ils ont. Ce sont vraiment de jolies palettes, de jolis fards. Tout me plaît en fait chez Oden Eyes, l'univers me plaît, les phares me plaisent, la manière de travailler, les différents finis, c'est les deux palettes et la Win Collection. Elles sont très jolies, mais je les trouve trop colorées. Et moi, maintenant, j'ai quand même pas mal de palettes colorées. Donc, je vais vraiment sélectionner les palettes colorées qui arrivent dans ma collection. Quand ça sort de l'ordinaire, c'est des choses que j'ai pas du tout. Là, je me dis, oh, bah, t'as le droit de craquer. Mais quand c'est des choses que j'ai déjà et j'ai beaucoup de colorées, en fait, parmi mes palettes by Beauty Bay, je me dis que là, voilà, il faut, il faut sélectionner. Donc, ces deux palettes très, très belles, mais pour le coup, trop colorées pour moi donc là j'ai passé mon chemin mais c'est vrai qu'à chaque fois que Oden Eye sort une collection Forcément, je vais voir. Forcément, dans un premier temps, ça m'intéresse. Que j'adore cette marque et j'ai pas craqué, mais depuis très longtemps. Et souvent, d'ailleurs, ils sortent en même temps que les Martine cosmétiques et ça fait quand même deux fois que finalement je craque pour Martine et pour et pourtant, au départ, j'ai moins d'appétence en fait pour Martine et que je suis très contente finalement de mon choix. Ensuite, une palette de chez Gourmand Girl. Je vous ai euh, fait voir deux palettes de chez Gourmand Girl pour lesquelles j'ai craqué. C'est leur toute nouvelle palette en fait pour euh, cette halloween là moi j'ai pris celle d'halloween dernier c'est la haunted palette je la trouve très belle je me suis énormément posé la question parmi les palettes de Gourmand Girls lesquelles en fait je prenais sur lesquelles je craquais et cette palette Auntie je la trouve très jolie vraiment mais elle a un côté peut-être trop flashy pour moi je me dis que elle va sûrement plus correspondre vous me direz vous ce que vous en pensez mais quelqu'un voilà qui a la peau plus foncée que moi mais elle a quelque chose cette palette elle, voilà elle a quelque chose elle est de manière je vous mettrai toutes les images hein, je trouve qu'on y retrouve un petit peu l'harmonie de la Nightshade mais avec quelque chose de plus de plus fluo, de plus waouh, mais j'étais pas sûre en fait de pouvoir maîtriser le truc ou vraiment que ça maille bien. Donc du coup, moi j'ai choisi celle-ci et puis comme je vous disais, j'ai pris du coup euh, l'ancienne en fait, celle de l'année dernière qui là vraiment je trouve elle fait mes appels mais à fond à Halloween, à l'automne, à l'hiver. Voilà voilà et la dernière palette c'est encore une palette, mais vous savez que je suis fan, fan de palettes. D'ailleurs, il faudra que je fasse un tri parce que j'en ai acheté cette année encore et j'ai dit que je pas, c'est pas un certain nom, mais je n'y arrive pas, c'est compliqué je trouve. C'est la palette de Glaminatrix Cosmetics, c'est également une marque qui est disponible sur Monolithe. Celle-ci, j'ai vraiment hésité et si je ne l'ai pas acheté, c'est que quand j'ai voulu, elle n'y était plus. Mais finalement, je me dis tant mieux parce que par celle-ci en fait... Plus je la vois et plus je me dis oh mais non tu vas pas elle est jolie mais ça va pas être ton truc, c'est la palette Sugar and Spice. Alors Sugar and Spice et euh, elle en a que le nom parce que c'est vrai que quand on regarde l'harmonie, t'es là eux, non bah pas vraiment. Mais j'aimais bien cette harmonie en fait, en même temps pastel verte, violette, j'aimais beaucoup. Ce qui m'interroge et ce qui fait que je me suis dit non mais finalement ne la prends pas. Je pense pas qu'elle te plaira. C'est les swatches en fait. Je trouve que les swatches sont jolis mais je sais pas comment vous le dire sans que ça paraisse négatif. Je l'impression que ça fait des swatches vous savez très passé pas, pas pastel mais très passé ça manque de pigmentation et pour enfin, de pigmentation je sais pas comment vous dire d'intensité et pour une palette qui s'appelle sugar and spice je sais pas je trouve que ça fait une jolie palette de neutre un petit peu euh, automne avec un petit peu de couleur mais pas forcément, en tout cas, euh, je trouve pas que les phares représentent bien le nom de la palette. Mais celle-ci, en tout cas, en harmonie visuelle, quand je regarde la palette, je la trouve très très belle. Et quand je regarde les swatchs, je me dis bah non, finalement, je suis pas sûre, voilà, qu'elle te plaît. C'était un petit peu l'inverse de la Lavender Skies. La Lavender Skies, au départ, je ne savais pas trop quoi faire au niveau harmonie avec cette palette. Et plus je l'ai vue, plus je l'ai trouvée jolie. Plus je l'ai vue, plus je me dis ah si, tu pourrais faire ça, ça, ça en make-up. Et je dirais que la Sugar and Spice, c'est un peu. Le contraire. Quand je l'ai vu au tout début, vraiment, je la trouvais juste sublime. Et plus j'ai vu en fait de, de photos de swatch en fait des fards, plus je me suis dit, oh, ben, finalement elle est très jolie, mais c'est pas forcément la palette qui te faut. C'est pas pour moi une palette qui sort de l'ordinaire. Alors peut-être que la qualité des fards sort de l'ordinaire, je ne sais pas. C'est une marque que je n'ai jamais testée, mais en tout cas, je trouve que finalement l'harmonie, les swatch ne sortent pas de l'ordinaire. En tout cas pour moi. Voilà, c'est ce que je vous disais, je trouve que finalement pour 4 mois, j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça par rapport aux sorties. Après, j'ai fait plein de choses, donc j'étais très occupée, j'étais pas forcément en train de regarder les nouveautés tout le temps. Et puis après, en reprenant le travail, bien évidemment, voilà, plus qu'occupée, donc encore moins le temps de regarder les nouvelles sorties. Mais je trouve qu'au niveau tentation, c'est plutôt raisonnable. J'en arrive à ma wishlist, donc là, je vais m'aider du coup forcément de ma liste pour pas vous dire de bêtises. Alors... Le premier c'était une palette que j'avais du coup dans ma wish list, c'est chez de Glossgod Cosmetics et c'est la New Neutrals, celle-ci elle va rester dans ma wish list. Je ferai une autre commande chez Gloss God. ça je suis sûre. Pendant que je suis du coup chez Gloss God, ben, je vais rajouter en fait la palette Lavender Sky. Donc elle elle va entrer dans ma wish list et quand je ferai une commande sur Glossgod, du coup je prendrai les deux palettes d'un coup tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, cette palette Lavender Skies. Finalement au départ elle m'a pas tenté et finalement je trouve l'harmonie vraiment très jolie et je pense qu'elle va vraiment compléter à merveille la palette Color of the Rain. En même temps c'est pour ça qu'elle était conçue. Donc euh, je sais pas pourquoi je les ai pas prises toutes les deux au tout début mais en tout cas je l'achèterai. Ensuite j'avais du coup dans ma wishlist de chez Charlotte Tilbury le Hollywood Contour Light Wand en teinte fer médium. Écoutez celui-ci je l'ai swatché en magasin, et puis plus j'y réfléchis, plus je me dis que je le trouve un petit peu trop marronné par rapport à mes goûts, par rapport à mes carnations. J'aurais voulu quelque chose peut-être d'un petit peu plus neutre en fait que ce qu'il est. Alors apparemment, il se travaille très très bien, mais voilà, finalement celui-ci, il va sortir. Ensuite, la palette Lure de chez Blend Bunny qui est dans ma wishlist depuis un moment. J'ai voulu l'acheter je ne sais pas combien de fois sur euh, euh, Monolithe. Elle n'y était pas. Là, cette fois-ci, pour le Lunch 10, je ne me trompe pas, c'était le Lunch 10, elle y était, mais comment vous dire, la fille pénible, et eh bien j'en avais plus envie, j'en avais plus envie là maintenant, parce que je trouve que c'est une palette qui fait très printemps, été. Après, je me dis, peut-être que je la vois l'utiliser en décembre, mais là, franchement, en automne, pas du tout. J'ai plutôt envie de, de marronner, d'oranger, de vert, mais pas. Voilà, pas d'harmonie comme l'allure, donc je la garde parce que je la trouve vraiment superbe. C'est vraiment la palette de chez Blend Bunny que j'ai envie d'utiliser, mais pas tout de suite. Donc, elle va attendre un tout petit peu. Ensuite, j'avais mis euh, deux petites choses de chez Glam Light. J'avais mis la, par, la palette Charlotte aux fraises et j'avais mis le blush Charlotte aux fraises. Et à l'époque, quand je vous en avais parlé, la palette Charlotte aux fraises, elle n'était pas disponible. Là, pareil, pour le Lunch 10, elle était disponible. Eh bien, écoutez, c'est pareil. Elle ne me faisait pas envie du tout. Là, maintenant, c'est une palette, je trouve, qui fait. Très printemps, eh ben on n'est plus au printemps, j'en avais pas envie, et là pour le coup celle-ci je sais que voilà, je vais vous parler de deux autres palettes de chez Glam Like qui me font plus envie. Donc, celle-ci, écoutez, finalement, je les retire de ma wishlist. Je la trouve très jolie, mais voilà, elle va rester très jolie sur le site. Ensuite, euh, j'avais mis des produits de chez Rare Beauty. J'avais envie d'un bronzer crème et celui-ci me fait toujours très envie. Il faudra que je me penche sur la couleur, mais ça, je garde dans ma wishlist. Voilà, lui me fait très envie alors que, vous voyez, celui finalement de Charlotte, je me dis, oh, mais ben non, finalement, voilà, sous ton trop marronné, tu le sors. Celui de Rare Beauty, je le garde. J'avais mis également les blushs de chez Rare Beauty. Là, c'est pareil, je ferai la sélection d'un blush, mais je garde. J'avais testé des échantillons que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça, je garde. Et je vous avais parlé d'un highlighter avec le nom à rallonge le Positive Light Silky Touch highlighter, je l'aimais bien en teinte enlighten, c'est un blanc, je l'avais retiré de ma wishlist, et eh bien écoutez, c'est le retour de cet highlighter parce que finalement je me dis je l'avais enlevé parce que j'avais celui de Fenty Beauty. Mais je me dis, c'est pas la même texture. Et j'aime bien, moi, les highlighters un petit peu blancs. Je trouve que dès qu'on fait un make-up avec des tons froids, c'est trop, trop joli. En hiver, c'est trop, trop beau. Donc celui-ci, il revient en force dans ma wishlist. Ensuite, on est dans les choses qui entrent. Bah, comme du coup, la palette Gloss God Lavender Skies qui est rentrée. Des choses que je rentre. Alors, je vous parlais de Glam Light tout à l'heure. Je vous en avais déjà parlé dans mon dernier bilan make-up, mais là je me dis ça y est, je suis sûre, je veux les tester ces palettes, mais elles n'étaient pas disponibles sur le site. C'est les palettes de la gamme Scooby Doo, enfin les deux petites, pas la grande. La grande, elle me dit rien. C'est pareil, on est dans quelque chose. De, de trop coloré, de trop arc-en-ciel et c'est pareil en prenant mes palettes by beauty bay j'ai en fait ce genre de couleur c'est pas ça qui m'intéressait donc du coup les deux palettes Scooby-Doo mais je les trouve mais trop trop belles dans les bleutés jaunes et puis bleutés violets et je te les trouve mais tellement parfaite pour l'automne, pour l'hiver, ça me donne vraiment très très envie, donc je verrai si elles reviennent sur Monolithe, mais j'ai un doute, et autrement il faudra que j'aille voir ailleurs si elles sont disponibles, mais je les trouve trop trop jolies, et finalement bien plus jolies que la parlette Charlotte Fraisse. Enfin, c'est pas du tout le même genre, mais je sais pas, elles m'attirent plus tout simplement, je les trouve trop trop belles Ensuite, on passe à un produit de chez Martine Cosmetic. Vous savez que j'ai adoré le Lip Oil en teinte. PAM de chez, dans les collections Made Day de chez Martine Cosmetics. Et j'ai très envie, mais je vous en ai déjà parlé, de me prendre la couleur Summer. La couleur Summer, c'est un petit doré miel. Je le trouve très très joli. Et j'aime tellement la texture en fait de ce lip oil. Il est vraiment enveloppant. Il tient bien sur les lèvres. Il n'est pas trop gras. Je le trouve juste parfait et tellement facile à appliquer. Ça correspond vraiment au genre de produits qui sont faits pour moi. Et on termine par deux palettes, mais deux palettes très très... Très cher. Pareil, disponible sur Monolith. Là, c'est vraiment Monolith, Monolith, Monolith. Vraiment première commande, mais j'étais tellement contente enfin de réussir à commander sur ce site. Ce sont deux palettes de la marque Enslen Règne Cosmétiques. Elles sont superbes, elles sont très chères. Ces palettes, ce sont de grandes palettes parce qu'elles contiennent 21 phares, mais elles sont environ 80-90 euros. Donc on est sur une palette au niveau prix. Très très chère. Il y en a deux que j'aime énormément. Il y a la Flower Moon. La Flower Moon, en fait, ça fait une palette dans les verts, orangés. Je trouve qu'elle est parfaite. Il y a un petit peu de rosé, en fait. On est un peu dans cette harmonie printemps-automne. Et j'adore parce qu'on est sur une palette. À avec plein de phares, il y a 21 phares et dans les 21 phares, il y a 14 lumineux et il y a 7 phares mat. Et moi, on est dans une harmonie en fait, dans une proportion plutôt qui me correspond mieux que par exemple les palettes de Marion qui contiennent beaucoup plus de fards mat que de phares lumineux. Moi, j'adore les phares lumineux et c'est vrai que j'aime mieux soit que ce soit moitié-moitié, soit qu'il y ait plus de lumineux en fait que de mat. Donc, celle-ci elle me dit trop, trop, trop et le packaging est juste incroyable c'est une marque que j'ai jamais testé donc j'ai hâte franchement de tester j'aimerais tester et la deuxième et je crois que je la trouve encore plus belle c'est la Harvest Moon donc celle-ci elle doit arriver je pense qu'elle sera disponible au prochain lunch de monolith et cette fois-ci je ferai comme j'ai fait là à sur mon canapé à remettre l'écran encore et encore pour pas louper et celle-ci on est comme dans l'harmonie de la flower moon mais en en plus sombre, on est dans l'automne, l'hiver, on retrouve en fait cette harmonie d'automne avec en même temps des sous-tons grisés, elle est magnifique, le packaging est également sublime, franchement il faudra que je décide. Très clairement, je vais pas faire un panier de 200 euros entre les deux. Je pense qu'il faudra que je décide que je choisisse, mais franchement, je les trouve très très belles. Vous me direz si vous c'est une marque que vous avez déjà testée ou si vous la connaissez pas du tout, mais c'est vrai que c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo sur les palettes Gourmand Girl. Ça faisait longtemps que j'avais envie de commander sur Monolith, je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, si je savais parce que je pensais que ça allait être le même genre de choses qu'on connaissait déjà. Et et pas du tout. En fait, c'est ce que je vous disais quand je vous ai parlé de celle-ci. Pour l'instant, la deuxième, je l'ai pas du tout détestée. Donc celle-ci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Mais les fards sont étonnants. Ils sont pas du tout comme les fards de Natasha Denona ou d'Anastasia Beverly Hills. On est vraiment sur des maths qui sont fins. Ils sont très smooth, mais ils chutent pas du tout. Donc je trouve que c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça correspond. Du coup, je trouve à plus de monde parce que pour travailler des phares qui chutent beaucoup, qui sont très intenses du départ, je trouve que quand même, il faut avoir l'habitude de se maquiller. Donc déjà, j'aime bien dans cette palette, c'est que c'est de la couleur, mais elle peut être proposée à tout le monde. Et les fards lumineux sont vraiment sublimes. Et c'est pareil, on est sur des phares qui ne font pas de chute du tout. Donc j'ai été scotché. et c'est vrai que je me suis dit, eh ben non, ce sont quand même des marques qui proposent en fait des phares eh ben, différents. De ce qu'on peut rencontrer en fait chez Sephora, Look Fantastic et compagnie. Donc, franchement, je suis super contente de rentrer dans cette découverte en fait des palettes que peut proposer Monolith. Et eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour. Euh, soit de euh, voilà ce qui m'a fait craquer, mais j'ai résisté ou ce que j'ai pas pu prendre, mes interrogations, ma wishlist. Vous me direz, vous, est-ce qu'il y a des produits que vous trouvez super, mais vous vous dites non, 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 je craquerai pas euh, Quels sont les produits qui vous font partie de votre wish list, ces produits que vous aimeriez vraiment acheter. J'adore en fait partager ces moments avec vous, je trouve que c'est des moments super agréables et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao